Parce que Cizelo qui finit récemment, il y a beaucoup d'allégations et spéculations qui concernent la sécurité nationale et la sécurité de nos populations. Je peux adresser moi à la nation pour encore une fois éclairer tout le monde le soi-disant scandale de sniffing. Malgré que plusieurs fois, je finis répondre à une question qu'il y a dans le Parlement, qu'il y a avec la presse, je trouvais que certains du monde peuvent continuer à faire des magosies et peuvent essayer de mettre doute dans l'esprit du monde. Ça n'est pas bon du tout pour la réputation de nos pays et pour le bon déroulement de travail que le gouvernement peut faire. Et dans du monde peut essayer de discréditer nos institutions et déstabiliser nos pays. Jamais je ne vais pas laisser ça arriver. Je veux dire qu'en tant que Premier ministre, je ne pas supposer cause les bonnes affaires qui concernent la sécurité nationale, mais je trouve moi dans l'obligation de faire suite à une action calculée, délibérée et irresponsable de certains du monde, qui pour bien assument notre responsabilité dans ces affaires-là plus vivant. En tant que Premier ministre et ministre de l'Intérieur, mon responsable de sécurité nationale. Et l'année dernière, mon bureau fin gagne certaines informations sur la sécurité de nos réseaux de communication. Et ça, finalement, moi, donne une instruction pour qu'il fasse un survey indépendant par un technicien spécialisé. Fini dans ma naissance entre mon bureau et ex-CEO Mauritius Telecom. En avril de cette année-là, finit un survey technique à Bejakote par une équipe technicien indien accompagnée d'un technicien Mauritius Telecom. Ça, l'équipe technicien de l'ENLA, finit recommandé par le gouvernement indien à travers un National Security Advisor. Et les bons qui vous connaissent qui depuis 1983, l'ENLA collaborait avec Maurice le 6e sécurité nationale, à part entre la période 1995 et 2000, quand le premier ministre Dalo a fait un anglais vini. Pour résumer, il y a un problème de sécurité nationale et c'est pour ça qu'il m'a fait une demande l'aide de mon technicien de l'ENLA. Aujourd'hui, comme autant d'allégations qu'il peut faire, à côté de dire que l'ENLA rentre dans nos réseaux pour get email, écoute l'appel et fouille dans ou compte la banque, je dis ou franchement, je suis honte. Je peux traîner nos pays dans la boue et peux gâter nos images et nos relations avec les autres pays. Cette allégation n'a aucun fondement. La cause ça, je peux préférer faire cinéma dans les médias, plutôt qu'il y a le devant de l'autorité concernée. Moi, je fin tout le temps respecter nos institutions et nos démocraties qui permettent nous vivre dans tranquillité, sécurité et stabilité dans nos pays. C'est pour ça que je fin remettre l'information à la police et après, nous avons laissé nos institutions faire ce travail. Je vais apprendre que Mauritius Telecom aussi fin initier une enquête sur toute transaction qui fin déroulée sous direction ex-CEO. Je demande à la population n'a pas écouté fausseté et rumeur et n'a pas rentré dans piège de ban dimoun qui a soifé du pouvoir, qui peut envie créer des zones et déstabilise nos pays. Ça qu'ils peuvent faire, les bien enserrés, et dans un petit moment, vous êtes capable de détruire ce qui ne prend 54 ans pour construire. Ce qui m'a dit aujourd'hui, je finis déjà dire dans plus de détails, qu'il y ait dans le Parlement ou dans la presse. Mais aujourd'hui, je tiens envie de rassurer tout Mauricienne et Mauricien, qui accusation qu'ils ont pu faire totalement fausse. Tout ce qui m'a fait en tant que Premier ministre, m'a fait aller dans l'intérêt de nos pays, nous les peuples et nos bonnes enfants.
Je connais qu'il y a une majorité de la population qui n'a pas croire dans ce tapage-là. Mais je fais un appel pour que tout le monde arrête de rentrer dans un débat hystérique. Moi et mon gouvernement, nous pouvons donner l'attention à un défi qui nous peut bien relever à cause des conséquences COVID-19 et la guerre en Ukraine. Je fais un appel à tout pour donner un coup de main pour qu'il nous réussisse à traverser sa situation difficile, qui entier le monde peut connaître là. C'est ça nos priorités. Vive la République.